Et bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, petit cancan. Alors, c'est totalement à l'arrache encore une fois. Bienvenue. Le logo a encore disparu. De toute façon, il a décidé de partir. Je pense que ça ne sert plus à rien. On va avoir un espace vide en haut à droite jusqu'à la fin de notre vie. Un plaisir de son. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, hein, je crois qu'on peut savoir ce que c'est en faisant ça. Et 12 bis vous dit. Bon. Si jamais vous avez besoin de retrouver le son, l'album et tout ça. Bref. Et oui, toi, ça fait un moment que tu n'es pas vu, petit cancan. Donc, du coup, regarde. J'ai mis en place ceci, qui a de la poussière, parce que ça fait genre une semaine que je n'ai pas. Voilà. C'est un clavier MIDI pour éviter de claquer 200 balles en stream deck. Et du coup, je me suis fait une cheat sheet sur comment j'utilise les sons avec une image. Et ça me permet de modifier aussi si jamais j'ai besoin. Voilà. Donc par exemple, là, je peux changer le son. Et ça, c'est beau. Alors attendez, il faut que je retrouve mes marques. Voilà. Je peux monter le son, baisser le son. C'est magnifique. D'ailleurs, là, c'est un peu haut pour ma voix. Je pense que ici, c'est mieux. Voilà. J'ai rajouté 2-3 trucs. On va lancer Baldur parce que de toute façon, on va devoir le débugger parce que ce jeu est infernal. Je rappelle, la dernière fois, nous sommes bloqués. On a appris que nous étions bloqués parce qu'on a triché. Bien entendu. Peux couper le son, hein, comme ça, regardez. Incroyable. Et je peux même cacher le HUD comme ça. Et cacher ma tête. Et si je veux, je peux censurer. Et décensurer. Ça, faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser mieux. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Bon, je vous laisse avec, bien sûr, Baldur's Gate. Premier du nom. Donc, dans les derniers épisodes de Baldur's Gate. Nous étions bloqués. Bonjour, Raving Bell. J'espère que tu vas bien. Nous étions bloqués. Parce que le jeu a décidé que si tu dormais, eh bien, toutes les portes se fermaient derrière toi. Et nous étions donc dans la tour du professeur Durlag qui nous donnait des mystères à résoudre. Bien entendu, on n'en a résolu aucun. Parce que c'est pas notre genre ici. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour arriver aux deux, peut-être. Parce que c'est quand même Baldur's Gate Unearthed qui est donc sorti genre en 97 de base, le premier. Mais Unearthed a été Unearthed dans le bon anglais il n'y a pas si longtemps en vrai. Un peu 20 ans, mais vous avez compris. Entre 15 et 20 ans, on va dire. Donc, je t'envoie des cœurs parce que je sais que Kira est en train de se faire opérer, d'après ce que j'ai compris. Donc, cœur pour Raving Bell. Envoyez des cœurs pour que Kira revienne tranquillement à la maison sans trop de problèmes. Parce que c'est toujours dur, ce passage-là. Donc, apparemment, comme vous avez pu le voir sur la notification et donc du coup sur l'ensemble de ce stream, on va devoir passer dans les petits fichiers. Les petits fichiers qui. Alors attendez, parce qu'il faut que j'étende mon bras. Les petits fichiers de dossier. Ah mon Dieu. Le dossier donc de Baldur's Gate. Parce que si on n'arrive pas à ouvrir cette porte-là, bah en fait on est bloqué, je crois. C'est pas comme si j'avais prévu aussi de tuer. Ah oui, c'était ça, fallait qu'on aille chercher ici. On était bloqué là. Oh là là, j'avais oublié. Donc,
J'ai préparé la mort définitive de Roland de la Tour Brosson. Parce que, bien entendu, c'est dans ce genre de problème-là que je quitte le jeu. C'est possible que, il y a moins de 10 ans, j'ai joué à Baldur's Gate. Et que, potentiellement, je sais pas, hein, parce que je me rappelle plus, mais potentiellement, on avait quitté, et j'avais quitté aussi de la même manière. Le jeu m'en veut. Donc, on va dire que, voilà. On va abandonner. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est une potion pour pouvoir survivre à la mort. Parce qu'il faut rentrer dans cette... alors, je vous rappelle, petit rappel. Faut que je rentre ici, sauf que cette pièce est totalement piégée. Lui, il nous crache du feu, et il a la pierre en même temps. Et regardez bien, il y a 80 cadavres. Parce que logiquement, quand vous faites une pièce piégée, il faut bien sûr fermer la porte. Mais le problème, c'est que le temps d'ouvrir et de fermer la porte, on meurt, genre, je rappelle, entre ici et ici. C'est-à-dire en dehors de la pièce. If you know what I mean. Je crois que ce jeu nous en veut totalement. Donc il nous faut une potion. En plus. Qui permet de delete les dégâts, quoi. Donc. Il faut nous trouver un truc hein, comme ça. Potion de génie, ça va pas nous aider. Hein. Ouh là là. Potion de défense. Une armure de classe d'armure 0. Quoi? Nul. Après, oui, il faut des potions de soins, bien sûr. Et le temps de boire la potion de soins, on a le temps de mourir. La vitesse de déplacement est doublée par 1, ainsi de déplacement de 9 et de passe à 18. Ok. Donc ça pourrait être intéressant, mais je sais pas si ça va nous aider. Donc, voilà, les voleurs, ça nous augmente, on s'en fiche. Et donc la potion, bien entendu, de soins. Parce qu'on avait, bien sûr, jamais acheté de potion de soins. Voilà. Donc j'ai organisé la mort de Roland de la Tour Brosson. C'est possible que ce soit la fin. Comme vous avez pu voir, on est en décalage. Donc en plus, on doit finir dans moins d'une heure. Et la joie... Généralement décoloré, le fer lorsqu'il entre en contact avec celui-ci, sans doute joue-t-il un rôle. Ah oui, c'est la potion. Ouais, sérieux. C'est la potion qu'on doit pas boire. Celui qui la boit, l'ordre et la santé mentale dont le chaos et la folie avaient pu le priver. Ok. Du géant de froid. Force surhumaine, on s'en fiche. Nous, on voit une potion de défense là. Chose qu'on n'a pas, je crois. Peut-être... peut-être Dorn. Voilà, donc ça, c'est notre lance-flamme. Notre Molotov. Résistance au froid. Bon, c'est pas ça, parce que c'est du feu. Potion de perception. Ça peut être pas mal. En vrai, ça peut être pas mal. Mais vu qu'on a décidé que c'était pas les voleurs qui allaient pouvoir faire quoi que ce soit. La force, on s'en fout, nous on veut la défense. Avec tous les gens qu'on s'est fait tabasser juste avant. Voilà, donc Dorn il doit avoir la potion de statut, c'est nul. C'est la basilique qui nous donnait ça. Voilà, géant de pierre. Ça peut m'aider. Non, pas du tout. C'est que des dégâts et des bonus. Action de combat, mais enfin, invisibilité. Ok. Super. Héroïsme. Peut-être que tu vas gagner de la vie. Non. Je suis triste. Je suis tristesse. Pour l'instant. Résistance à la magie. Bah ouais, mais c'est de la magie, mais vu que c'est des pièges, je suis sûr que ça passe outre. Oh. Oh. On a rien. On a vraiment rien. L'huile de rapidité va pas nous servir. Ah, voilà. Potion d'absorption. Alors, ça peut nous... Mais c'est des attaques contendantes. Donc du coup, toute la magie, là... Oh là 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 là. On va jamais y arriver. On va devoir sacrifier quelqu'un, je pense. Qui? Déclarez-vous. Qui? En plus...
Si on sacrifie quelqu'un, ça veut même pas dire que la porte elle s'ouvre. C'est ça qui est grave. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est bloqué, hein. Potion de défense, bon. C'est la seule qui pourrait nous aider. C'est Roland de la Tour Brosson qui va nous aider. Alors, on a un téléporteur ici, bien sûr. J'arrive à cliquer quelque part. Vous savez ce qu'ils disent sur les mains idle. Peut-être que nous devons juste attendre et découvrir. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que ça peut nous aider. C'est fait. Pas ça ? Une tâche facile. Oui, bien sûr. C'est le logo au sol. Vous pouvez vous déplacer ? Je veux cliquer sur le logo. D'ailleurs, au long de la Tour Brosson, comment ça, t'as plus de flèches ? Prends tes flèches. Celle-ci. C'est mieux. Donc, donnons cette potion de défense. C'est défense, je sais même plus. Défense à GR. Apparemment, qui a décidé d'y aller toute seule. Je sais pas pourquoi GR. Ah oui, c'est parce qu'elle a des. Tellement d'endroits où j'aimerais être. Protection potentiellement. Hop. Bon, et maintenant tu peux donner ta potion de défense pour voir ce que ça donne. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'elle essaie de pas dans ses poches, c'est ça ? La gestion de l'inventaire, hein, bien sûr. Et maintenant, on va essayer de faire ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Donc, potion de défense, ça augmente de tout à l'heure, la dernière fois. Donc, potion de défense. Maintenant, on va essayer de... la bénédiction, je sais plus ce que ça fait, mais je pense pas. Il est où le truc de l'écorce, là ? L'écorce, elle est... C'est quoi ? Oh, j'ai sauvegardé maintenant, j'aurais pas dû. On n'a pas eu un truc de protection d'écorce, là ? Elle est où ? Si, elle est là. Pourquoi je peux pas l'utiliser ? Pourquoi ? À vos ordres. On y va, hein. Écoutez. Oublions pas, il faut ouvrir cette porte. C'est fait. À vos ordres. On n'a pas de place, c'est ça que t'es en train de me dire. Vite ! Vite ! Oh, oh non ! Tout le monde est mort. En même temps. Et Roland m'a trouvé aussi en premier. Je suis choqué. Cette pièce est infernale. Bon, on revient ici. Bon, on va la tenter sans la potion de défense. Alors, attendez. On va faire un truc. Voilà. Ça, c'est quoi, ça, déjà ? La gemme de dioxyde, on s'en fiche. Allez, hop. C'est comme si c'était fait. Je vais avoir besoin... C'est juste pas possible, on peut pas sortir ce truc sans mourir ? Bon, j'ai besoin de tout le monde, là, s'il vous plaît. Sauf GR. On peut traverser cet endroit et essayer de survivre en groupe là parce que j'ai l'impression que vous avez décidé de tous mourir. Try to keep up. Non mais ça veut vraiment dire que même à distance, c'est pas possible quoi. Elle a déjà la peau d'écorce. Elle a déjà la peau d'écorce, ok. J'avais pas vu. Elle l'a déjà en fait. Alors... On va lui envoyer trois trucs. Et il va nous donner ça.
J'étais déjà équipé pour la peau d'écorce, c'est incroyable, ça, je m'en... J'avais tout prévu. Pour le groupe. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui me donne de la vie de loin. Mais il n'y a pas grand monde qui peut me donner de la vie, donc... À vos ordres. J'ai oublié ça, là. Quelqu'un pour ouvrir la porte, c'est possible. On sorte, le plus vite possible. Allez. À vos ordres. Allez. Ouvre la porte. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Oh non. Comment? Pourquoi? C'est pas possible, on se retrouve dans la même galère que la dernière fois, j'en peux plus. Y'a aucune tactique pour pouvoir sortir de ce truc là, ça genre... Oh là là. Bon. Je pense qu'on va pas envoyer du tout, du coup... Faut pas envoyer Roland de la Tourbrosson là-bas en fait. Hein. Faut qu'il soit loin. Hein. On se prend le coup, on meurt. Salement. Donc... Déjà, équipe-toi. On a besoin de place. On va envoyer notre Imoen, qui n'a aucune vie. Ou Dorm. Parce qu'en fait, c'est ça qui serait bien, ce serait d'envoyer Dorm. Mais le problème, c'est que Dorm... lui, il meurt. Par contre, on est vraiment dans... On n'avance pas, en fait. Après, c'est fini. Que faire? Il faut que je donne ça à quelqu'un. On va donner à Dorn. On va essayer de protéger Dorn avec toutes c'est les fait. Possibilités qu'on a. Mais j'y crois pas trop. Dorn, il a même pas de place en plus. On va se débarrasser de ça, on s'en fiche pas ça. Vu qu'on a aucun mage. Une tâche facile. Faut qu'on se place. De manière stratégique. Pour le groupe. C'est-à-dire que Roland de la Tourbrosson, faut pas qu'il meure. Donc c'est plus compliqué. Ah, ça y est, elle a perdu son... T'es d'accord que je peux aller jusque-là, hein? Oui. J'en ai assez! Juste voir si on peut déceler des trucs, mais je crois pas. Vous êtes par ici! Voilà. Je veux juste voir si elle capte un truc. Mais je crois pas. Et là, il y a tous les pièges. Ah ah! Oh non! J'ai oublié que... Mais regardez comment ils les ont tués! En un seul coup, ils ont tué Dorn! Mais c'est juste pas possible! Excusez-moi, hein, mais là, c'est abusé. Abusé. J'en ai assez! IPP. Ils ont tué Dorn en un coup. Donc là, c'est vraiment... On va tous die, et le but, c'est de mourir. On va essayer de traverser cette salle, hein, parce que... Peut-être pas comme ça. À vos ordres. Oui, c'est fait. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Bon, on va continuer. Puis-je vous aider? Je peux toujours essayer. On va faire un par un parce qu'ils sont pas très doués. Toujours bloqué ici? Non, mais j'ai pas à jouer en fait. Allez autant souffrir que moi sur cette, ce passage de l'enfer où ils ont décidé qu'on pouvait pas passer cette porte. Donc, tant qu'on n'a pas l'accès à ici. Attends, est-ce qu'on peut désamorcer ça? Moi, tu m'en vais. Ça sert à quoi d'essayer, en fait?
on meurt. Rien, hein. Mais arrête d'être con, s'il te plaît. On va être obligé de dormir après. Ouais, des fois ça arrive, mais c'est pas grave. Tu sais, moi je suis content. Je suis content d'être bloqué là. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez. Bonjour Sanzai, j'espère que tu vas bien. Attends, petit shoot-out. Et voir Sanzai qui joue aussi à Baldur's Gate 3. Ah, contrôle est meilleur peut-être que Baldur's Gate 3. Ah bon, peut-être. Je ne sais pas. Bon, là, on avait vu que ça ferme la porte ici. Donc, normalement, il y a un truc qu'on peut débloquer là. Mais va-t-elle le remarquer? En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un mage qu'on puisse téléporter à l'extérieur. Mais je crois que on n'a pas de mage. Ah, c'est le rage quit. Eh ben, bienvenue. Ça va être le rage quit, je pense, aujourd'hui. Donc, bienvenue. Je pense qu'on va faire ça, hein. De toute façon, tant qu'à faire, on va faire dodo, hein. Mais c'est... Voilà, bref. On va faire dodo dans le jeu. Bien sûr, Razad, je n'ai pas envie que tu meurs. Ce serait pas mal. Par contre, on peut essayer. Je ferai de mon mieux. Parce que lui, il va vite. Si on en met deux, est-ce que vous pensez qu'on souffre à deux? Ou on réussit mieux à deux, d'après vous? Grande question, hein. On va jeter un truc là. J'en ai assez. Allez, 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 on va y arriver. C'est le moment. C'est le moment où on y arrive. Moi, je m'en vais. T'en suis vite. Je m'affaiblis. Regardez bien. Comment c'est possible? Si vous mourrez, je vous jure. Là, je suis désolé, je vais clipper ce truc. C'est pas possible. Pourquoi ça veut pas envoyer? Voilà. On va clipper ça. Mais non, là, c'était une fléchette. On se prend une fléchette à l'extérieur de ce truc. On s'est pris une fléchette. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai clippé. Voilà. Attendez, on va regarder ça parce que c'est pas possible. Je suis pas d'accord du tout. Mode pause. Voilà. On se prend une fléchette à l'extérieur de ce truc. C'est pas possible. C'est vraiment... Je suis pas d'accord du tout. Est-ce que le clip automatique que j'ai fait va fonctionner? Ça, c'est la grande question, par contre. Ça marche pas. J'avais oublié les habitudes de OBS. Il le remarque par contre. Oui. Je le mets juste devant. Vite fait. Hop. Donc regardez bien. Je vais le mettre en grand. C'est mieux. Donc regardez bien ce qui se passe. Là. Là tout va bien. Là on se fait alpague. Regardez bien comment la fuite va se dérouler. Donc là on s'enfuit. Première fléchette. Une. Donc là on est toujours dans la pièce. Donc ça va encore. C'est logique. Deux. On est encore un peu dans la pièce. On peut accepter ce problème là. Mais par contre la dernière... C'est ici. Et voilà. Regardez-moi ça, ce freeze frame de l'enfer. Cette fléchette-là, normalement, ne devrait même pas arriver. C'est juste pas normal. Je suis désolé. Là, il y a un problème quelque part, Baldur's Gate. À un moment, faut accepter que on réussit à sortir de cette salle, en fait. JPP. Bon, bref. «
En vrai, on est pas loin de survivre. C'est juste que avec cette attaque là, c'est tellement du je vise la personne plus je fais du dégât de zone. Vous êtes une quoi, en fait, on meurt tous. Oui, une tâche facile. Je comprends pas pourquoi tu parles de bitcher alors qu'on bitche pas du tout. On dit la vérité vraie. Oui, bien sûr. Je soupçonne que Sunzai n'a que la voix d'or de mon aussi. Mieux. Oh là 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 là. Mais puis s'il n'y a pas le choix. Je pense qu'on va faire en sorte qu'on meure ici. Hein. Je pense que c'est pas possible. Oui, mais alors survivre à un piège, les voleurs. Donc il y a Razad, on va envoyer Razad et Imoen. On va essayer de voir. Razad a-t-il de la place sur les poches? Non. Imoen a de la place sur les poches. Donc du coup, normalement, celle qui doit être alpaguée. Et ça serait logiquement Razad parce qu'il a plus de défense. Mais Imoen est plus qualitative en gestion des pièges. Donc on peut envoyer ces deux-là. Par contre, il va falloir qu'on fasse un truc. À vos ordres. C'est renforcer leur défense. Donc du coup, est-ce qu'on a armure de... Non, on n'a pas l'armure. Du coup, on va essayer de booster la... potion défense. Il y a la potion de défense. C'était à la base Roland qui n'a plus. Qui a dû la donner à quelqu'un. Et on n'a pas claqué la potion de défense et en plus jamais utilisée. S'il vous plaît. En train de me dire que je sais pas gérer les trucs. C'est vraiment ça? On a claqué une potion de défense et on n'a même pas essayé d'y aller. D'accord, qui ressemble à la potion de statue là. Ah. On peut essayer ça aussi. Ça peut nous aider. Ouais. Du coup, je ne sais pas où est la potion de défense. On va peut-être recharger une autre. une autre partie. Mon dieu. Mais attendez. J'ai pas supprimé celle-ci? Ça se trouve, on peut sortir, hein. Avec celle-là. Ça se trouve. On va charger celle-là. C'est là où il y avait tout. C'est comme si c'était fait. Bon. On va pas avoir la protection des corps, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est du feu, donc les corps, on sait ce que ça fait avec le feu. En fait, on a besoin des personnes qui donnent de la vie. Le problème, c'est que... Je peux toujours essayer. La seule personne qui donne de la vie à distance, c'est Razad. Et on est obligé de l'envoyer. À vos ordres. Elle a failli me faire un truc en passant en plein milieu du truc. Hein. Et... C'est fait. Normalement, c'est toi qui as la potion. Voilà. Que tu peux donner du coup à Razad. Non, Razad n'a pas les poches vides. Là, le but c'est de sortir, hein, c'est pas de se faire de la thune. Voilà. Oui, bien sûr. Si tu peux partir. Donc, potentiellement, il faudrait quelqu'un pour ouvrir. Oui, non, mais t'inquiète. Selune guides my hand. T'inquiète pas, Raving Bell, sur l'histoire. La douleur est intense. Mais c'est pas grave. Donc là, déjà, on ne repère pas ce piège-là. Le premier piège, le piège de la porte, logiquement, ça serait très très bien de pouvoir le faire avec juste les bottes. C'est-à-dire les bottes de celle-ci, là. Permettant de réaliser un exploit qui paralyserait de douleur n'importe quoi. Non, c'est pas ça. En fait, c'est les bottes de... On touche pas le sol, non? Avec le temps, la réputation de l'assassin se répandit. Autrefois, il se déplaçait à une telle vitesse que ses cibles avaient rarement la possibilité de réagir.
En fait, il nous faut un truc qui nous permette de nous surélever de 3 cm au moins pour pas toucher ce premier truc là. Parce que si on arrive à faire ça avec Razad, en vrai, on sort de la pièce à une vitesse incroyable. Sauf que... C'est fait. Et que non. N'oubliez pas que ce couloir, c'est le couloir de l'enfer où on meurt aussi toutes les 6 secondes. Your wish. Donc, voilà. On va se mettre à deux. Vous êtes une bien étrange ici. C'est Lune guides my hand. Qui a la poche vide? Personne. Donc, on va laisser ça ici. On va sauvegarder maintenant. Et on va essayer de le faire à deux. Alors. Elle détecte le piège automatiquement. J'en ai assez! La porte est fermée. La porte n'est pas fermée. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. La porte est pas... La porte est pas fermée. La porte est pas fermée. C'est le moment. C'est le moment. Faut que je lui envoie de la... Tiens. Ah non. Ah non, mais c'est que sur moi l'imposition des mains. Oh, Dale. J'ai envoyé quelqu'un pour mourir. Ah, Razad. J'ai si froid. Mais non, tout va bien, voyons, tout va mettre fin. On avait dit, la défense c'est pour Azad, donc on va essayer avec la défense. Ouais, rip, totalement. Jusqu'à preuve du contraire, on a besoin d'un casque, hein. Non, on peut pas le mettre. Ah d'accord. En tout cas, elle a déclenché le truc, mais la porte ne s'est pas fermée. Moi, je m'en vais. Étrange, je dirais. C'est lui. Allez, Razad, vite. Faut sortir, faut sortir. Aide me. Vite. Une nouvelle victime. Ça ne s'arrêtera donc jamais. J'en ai assez. J'ai pas pris la potion, je sais plus si j'ai pris la potion. J'ai pris la potion. Je l'ai bu. Ou je l'ai juste posé comme ça, délicatement, et je me suis dit, je l'ai. I understand. Vu que c'est des flèches, on va dans l'autre sens. Les têtes chercheuses. Les têtes chercheuses. Je sais pas comment ils veulent qu'on fasse, vous mais ça n'a pas l'air d'être très sympa. Parce que là, j'ai même pas le temps de dégainer quoi que ce soit, en fait, vraiment. Your wish. J'ai plus de potion d'invincibilité, en plus. C'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit, mais... Peut-être qu'on aurait pu y réussir un peu mieux. Je sais pas si la force morale va nous aider, mais on peut essayer, on peut boire tout. Oh, mais c'est pas possible! What the fuck? Bon, bah je pense qu'en fait le jeu a décidé d'être juste insupportable. Je clip ça aussi encore, hein. Parce que ça, c'est pas possible, ça. Hein. On a réussi à s'enfuir totalement de cette pièce, même la deuxième. Et on est quand même décédé. En tout cas, la force morale a l'air de faire quelque chose.
On n'enverrait pas quelqu'un. Le serviteur de Dame Nature attend. Je sais pas. Alors, je vais juste sauvegarder maintenant. Je vais vérifier la charge là parce que. Est-ce qu'on a vraiment envie de. Voilà. On arrive au premier. Oh, mais j'ai la charge avant tout. Avant tout le bordel, je l'ai. Je l'ai pas supprimé. Is that serious? Parce que là, on peut remonter. C'est fait. Et on peut se barrer d'ici. Ça voudrait dire que je dois jouer encore. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Your wish? Bane. En plus, il y a I cette porte là qui pourrait être intéressant, mais. Pas comment on pourrait s'en sortir de ça. Vraiment, je sais pas comment on pourrait s'en sortir. À part sacrifier quelqu'un. Je vois pas trop. Bon, on va essayer de sacrifier quelqu'un, on va voir si ça fonctionne quelque chose. Enfin, si ça change quelque chose, plutôt. Qui on sacrifie? C'est ça la grande question. Your wish? Razad, c'est quand même mon préféré, donc j'ai pas envie... Vous êtes une bien étrange personne. Pas, Dorn, il va peut-être poser problème dans pas longtemps, mais... c'est un peu notre sac à porter des trucs lourds, donc peut-être que ça peut servir. Ouais, notre combattant de base. Ah non, le cœur du golem, une garde. Ah mais le problème c'est que si on sacrifie quelqu'un maintenant, après on peut plus rien faire. Selune guides my hand. Alors, regardez. Là je suis rentré sans faire exprès. Si on reste dedans et qu'on fait rien. On a un petit temps. Mais... Voilà. Il est... Voilà, et il meurt au fur et à mesure. Donc par exemple, si je fais un truc, on va voir si j'ai un truc d'antidote là, vite fait. Est-ce que j'ai une potion d'antidote? Si on arrive à se débarrasser juste de ça, est-ce qu'il y a moyen? Frapper de léthargie? Ah, je suis maudit, c'est de la malédiction. Il y a quoi? Liberté. Comme ça. Peut-être que ça va m'aider contre ma maladie de malédiction. On va essayer de survivre dans ce piège. Ok. J'ai essayé. Il y avait toutes les techniques possibles à essayer. Bon. Par ici! Non, mais pas toi, Imoen, s'il te plaît. C'est Lune. Bon, Razad, c'est toi qu'on sacrifie. Hein. Je dis ça. Une nouvelle victime? Ça ne s'arrêtera donc jamais? Par ici! On va vérifier si la porte s'ouvre vraiment. Parce que ça se trouve, on s'acharne, mais en fait, il faut juste revenir en arrière et dire bah on abandonne en fait. Prends ton temps, hein. De toute façon, c'était dit, je crois, dans la soluce qu'on n'avait pas le niveau pour ça. On est niveau 5, hein, je rappelle.
paraît qu'il faut être un peu plus haut niveau quand même. Ça fonctionne. Et du coup, ça nous aide à quoi? Ah oui, c'est la vraie sortie. C'est la vraie descente. Et ok. Ok, donc du coup, c'est le bon truc. Donc, on n'a pas le niveau, mais il y a moyen de le faire. Sauf que soit on continue dans le sous-sol et ça va être de plus en plus dur, je pense. Je vois combien de sous-sol il y a. En tout cas, on n'a pas de potion de vie. On a pas de pro- on a un gros problème là. Parce que là, ça va être complexe. Pas c'est Lune, guides my hand. En tout cas, on a vu que la porte qui nous aidait, elles sont fermées, c'est celle-ci. Là, on pourrait passer par là, mais je crois que c'est fermé aussi. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Et je ne veux pas y prendre part. Donc on va retenter, juste pour voir, avec Razad. Faire le chemin. Mais de mémoire, cette porte-là, elle s'ouvre pas. Si cette porte-là, elle s'ouvre... C'est cool. Par exemple, si c'est juste un crochetage que j'ai loupé, et que on a la potion de voleur, par exemple, ça peut aider. Et là, il faut une pierre, quoi. Est-ce que j'ai d'autres pierres, en fait, ailleurs? Oui. On va recharger et on va récupérer toutes les pierres. Peut-être pas celle-ci. Celle-ci. Histoire qu'on casse pas notre fuite potentielle. Alors, tu me donnes cette pierre. On a deux. Qui a d'autres pierres? On a deux, ok. Tiens, je te donne ça. Je te donne ça. Pierre, tu me donnes tout. Là, il y a une pierre aussi, ok. Donc, je te donne. Oh, j'en ai deux. Non, il y en a une septième. Alors, ok. On va essayer de braquer la banque, hein, parce que ça va être ça. C'est Lune, guides my hand. Alors, c'est possible que ce soit parce qu'on est à distance, mais est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Donc, on va voir. On pourrait passer, mais ici on va se faire piéger. Ça change rien sur le principe qu'on arrive ici et qu'on peut pas l'ouvrir. Enfin, la dernière fois c'était ça. Là je vais mourir. Pauvre chose, connaître la mort si tôt. I understand. Je vois pas trop comment on pourrait faire. Là, c'est sûr, on passe pas. Moi, juste s'enfuir. Une nouvelle victime? Ça ne s'arrêtera moins, donc jamais. Ça, s'il te plaît, Razad. Ouais.
vois pas trop. Après, la potion de morale, peut-être que si on cumule ça avec l'ingurgitation de nombreuses potions de soins, peut-être qu'on peut y arriver aussi. I understand. On va juste revenir du coup, là où on était, là. Donc, les potions de soins, je crois que c'est Imoen qui les a en masse. Et on va tout récupérer les autres. On va voir ce que ça donne. Donner à Razad. Pour voir ce que ça, s'il arrive à s'en sortir avec sa potion morale. J'en ai assez. Normalement 17 points de vie ça devrait le faire. Enfin 17 potions ça devrait le faire. Je sais plus combien ça donne, 9 points de vie. Donc à chaque coup on peut s'en sortir. J'adore ce que je fais, j'adore. J'adore ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a tout? Huile de feu ardent, on n'a pas forcément besoin, donc on va donner ça à Imoen. On a besoin d'avoir de la place. La potion de soin, potion de défense. Et la force morale. Ok. Et raccourci, c'est quoi? F9. F10, F11, ok. Par ici! Je vais mâcher. Oh oui. Je vais mâcher. Bon. Du coup, F9, c'est pour la potion de morale. On peut la prendre maintenant. F11, on peut la prendre maintenant. Et c'est parti. De peine pour ceux tombés dans des batailles justes. Mince. Pain. Ok. Alors, on avale le maximum. Sors. Pas de peine pour ceux. La porte était fermée. Dans des batailles justes. Même la porte fermée, ça nous boycotte jusqu'à ce qu'on meure. On va essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, c'est, je pense, la bonne stratégie. Mais vas-y! Pourquoi il a pas bougé lui là? Pourquoi il part pas? Pourquoi il part pas? J'en peux plus. Il veut pas partir. Ah mais c'est parce que la porte a été fermée, j'ai même pas essayé d'ouvrir la porte. Ouais, ils ont augmenté le nombre de dégâts parce que je bois des potions. Aucune chance, hein. On va faire dodo, hein. I understand. On va faire dodo. Après, c'est pas notre plus protégé. Voilà. Il y a ça aussi. On va envoyer Khalid pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça changera pas grand chose. Notre sac à PV.
Hop. Donc du coup, il faut qu'on fasse de la place. Puis-je vous aider ? Voilà. Ok. Je ferai de mon mieux. Ah mais il se déplace moins vite. Ah. Pas cool. Avez-vous besoin de mes services? Et juste avec ça, il est lourd. Deg. Ouais, mais le problème c'est que c'est les armes, elles sont... Ah oui, c'est vrai qu'il en a beaucoup. On va les poser là. T'as raison. Et il est toujours ralenti. Par contre, ce serait bien d'avoir de la défense. Ça, c'est pas mal. Ça, on va garder, mais... C'est rapide, là, je ou pas? Je peux toujours essayer. On récupérera ça tout à l'heure. Donc, check. Bon, force morale, défense. Défense. Force morale. ...84, on a augmenté de... Je m'affaiblis. Merde. Non mais tu peux survivre. Malheur à vous, Khalid. Si c'est moi où ils sont allés trois fois plus vite là parce que c'était lui. Je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Mais regardez-moi ça. Ouais, mais ça change pas grand-chose parce qu'en fait la vitesse à laquelle ils ont tiré, c'était pas normal en fait. Commencer. Je peux toujours essayer. Tout recommencer. Bon. Déposons les armes. Allons chercher notre ami Razad. I understand. Oui. D'une certaine manière, ça change ça. Mais le problème, c'est que si la vitesse est accrue parce qu'il a plus de PV, en fait, la salle ne veut juste pas que tu partes, en fait. C'est ça le truc. En plus, je dois y aller, donc ça va être notre dernier test aujourd'hui. Dans la semaine, je pense que ça sera là. Je devrais choisir entre on continue ou on continue pas. C'est-à-dire demain. On commence, on continue. Est-ce qu'on recommence le jeu? S'il n'y a pas le choix. Lala. Lala, lala. Bon, ouais, on va se garder ici. En tout cas, c'est clairement pas la prise de potion qui va nous aider. Allez, c'est parti. Rein.
Il a aval, mais regardez bien, c'est aval. On a déjà pris maximum. On s'enfuit le maximum possible, si c'est possible, là, maintenant, tout de suite. Je m'affaiblis. Mère de sûreté ! Mère de sûreté ! En fait, la prise de potion impose l'arrêt du personnage. C'est très très problématique. Très très problématique. Je peux toujours essayer. Donc on va essayer de se la jouer à la vitesse. Et en comptant les PV. Est-ce que ce serait pas mieux que je cours ici plutôt, d'ailleurs ? Parce que ça me permet de faire un téléport. Déporter potentiellement. Et de voir si c'est vraiment totalement abusé ou pas. Bon, on va essayer de faire ça. Allez, faut que tu cours. Au maximum, tu y arrives. Je suis prêt à te donner des potions quand on sera de l'autre côté. Deux. Possible! On a survécu! Incroyable! Je crois que c'est grâce au téléport par contre. Ou à la fermeture de la porte. On a survécu. Récupère tout. Donne ça à quelqu'un hein, qui en a besoin. Je peux pas sauvegarder. Je sais pas pourquoi je peux pas sauvegarder. Je peux pas sauvegarder. Ah. Faisons comme si on n'avait pas fait quelque chose de bien. Le casque, on peut le prendre à la fin. Que tu crois qu'ils nous interdisent de sauvegarder parce qu'on l'a fait d'une manière qu'ils aiment pas ? Voir continue ce jeu de l'enfer ! Non mais... C'est pas possible. On a claqué masse de potions pour que dalle. Mais on y est arrivé. Merci. On va faire dodo, hein. Parce que c'est ça qui nous a mis dans le caca, mais on est ce genre de personne, hein. Et bien entendu, après on supprimera les sauvegardes, bien entendu, avec la technique de plus rien derrière nous. Bien entendu. C'est pour ça qu'on a été bloqué. Regardez bien tout le monde qui va mourir. Je m'affaiblis. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Celle-ci, je vous la donne parce que c'était gratuit. On est tellement morts sinon une fois. Le serviteur de Dame Nature attend. C'est comme si c'était fait. S'il n'y a pas le choix. Your wish? I shall commit to the task. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Bah, il peut faire imposition des mains. Hein. C'est comme si c'était fait. Pas mal. Il nous reste qui à traverser ? Par ici ! Il est fort agréable, c'est que ces pièges ne s'enlèvent pas en fait.
une tâche facile. Et là, zéro. Coup critique, Roland de la Tourbousson est mort. It shall be even bloodier than you hoped. Maintenant, on fait dodo. Toujours pas de chaussures. C'est fait. Si, mais j'avais la flemme. Il y a une porte qui s'est ouverte. Laquelle est ? Ah, c'est celle-ci ? Non ? Ah oui, mais ça change rien, en fait. Là. Celle-ci, elle passe. Celle-ci, elle passe. Non, c'est... En fait, il n'y a pas d'autre porte qui s'est ouverte pour pouvoir nous aider à sortir. Donc, voilà, comme ça, c'est fait. On sauvegarde. Qui est encombré, là ? Puis-je vous aider ? Est-ce que t'as de plus que d'habitude ? Chose. Bon, allez, on descend. S'il n'y a pas le choix, c'est fait. On arrive, il y a un piège qui se déclenche direct. Aïe aïe aïe. Vous avez vu ou pas derrière? Ça a l'air sympa. Hein. J'en ai assez. Bon. Ça a l'air sympa. Huile de rapidité, si jamais on a besoin de traverser, d'accord. Je prends la thune d'abord. Hein. Un peu de pression de soin peut-être. On envoie qui du coup, parce que je veux juste faire dodo ici. Oui. En fait, le truc c'est que la boule de feu elle est peut-être chercheuse de mémoire. On va ouvrir les portes avec. Je ferai de mon mieux. Je m'affaiblis. Il va me falloir. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. C'est pas ce que je pensais. On se sépare. Hein. C'est l'extérieur. Incroyable. Je vais mourir avec ce piège là. Pas de peine pour ceux tombés dans des batailles justes. Ça va être l'heure. On s'amuse un peu avec ce passage là et après on continuera un autre jour. On juste vérifie les enfants. Wouah! Ça va! Ça va. Par ici. On va aller sur le côté, hein. Ouais, ça va, ils sont pas trop hauts. I understand. Après, si j'envoie Dorn, je pense que je peux le plus leur faire flipper parce que j'ai mort vivant, je sais pas quoi, là. Thank you.
Moi, j'aime bien cette blague. Je la valide toujours, cette blague. Pas de peine mais pour ceux tombés dans des batailles justes. Un coup. Un coup. Razad, s'il te plaît, respecte-toi. Prends quand même le coup au cas où, hein. C'est si jamais on n'a pas compris. Bon, il faut qu'on envoie quelqu'un qui soit un peu plus rapide que Razad, là. S'il n'y a pas le choix. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Waouh, attendez. Non, on reste ici. Non, oui, on reste ici, on ferme la porte. Fermez la porte. Même plus rigoler avec eux. Puis-je vous aider? Je peux toujours essayer. Non, mais laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. J'en ai assez. Laissez-moi rentrer. Fermez cette porte. Je peux toujours essayer. Mais fermez cette porte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Partez. Fermez la porte, merci. Je pense qu'elle est clairement faite pour ça. Ouais. Et peut-être que c'est un peu un spawn infini aussi, à chaque fois que je dors. Donc quoi ? Une goule supérieure qui arrive comme ça, quand on fait dodo, avec la porte fermée. Je pense qu'on va mourir. Hein. Surtout, ne faites rien. Hein. Tant de jets loupés. C'est beau. Vous êtes à 6 dessus, hein. 1000, ça fait rien du tout. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. C'est bon ? Il a l'air bien ce jeu, ouais. C'est pas du tout bully par le jeu lui-même. Hein. Pas du tout. Je peux toujours essayer. Alors, qui c'est qu'on va envoyer pour rigoler ? Le serviteur de Dame Nature attend. Avec cette attaque de ghoul. Bien gourdin, hein, non ? Bâton ? On s'en fout de la bâton. Arme et bouclier, oui. Sauvegardons. Qui c'est qu'on envoie maintenant? On renvoie Razad. Est-ce que ici c'est plus intéressant qu'ailleurs? Je ne sais pas. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, il est l'heure. On va se dire que c'est l'heure. On a avancé. Après moult échecs, moult erreurs, nous avons avancé. Pas du tout grâce au jeu.
Je pensais pas qu'on allait réussir en juste un épisode, j'avoue. Mais c'est fait. Je vais regarder qui c'est qui en live. Qui c'est qui en live. Bribri. Qui fait du routine. Bingo bûche. Ah non, ça c'est bubuche. Brigagnant. Puzzle React. Il y a... Ah bah il y a du Baldur's Gate. Bon, pour pouvoir vous donner un peu envie, du cap petit cancan et son zaï, à retourner sur Baldur's Gate, je vous envoie chez Tiflin. Comme ça au moins, vous allez peut-être être un peu plus remotivé à jouer à ce jeu. C'est fait. Bien sûr, qui est agréable à jouer, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas quoi dire, mais je pense que on va sauvegarder. On va mettre safe pour le moment. Sachant qu'on, alors, je pense qu'on n'y arrivera jamais à la fin. Hein. En vrai, on fait tout ça, mais c'est pour la beauté du geste. Bon, dans 60 secondes, on y va. Donc du coup, je vais quitter le jeu. Regardez ce que je pouvais vous montrer, mais en fait, j'ai rien préparé de